voulais vraiment faire bouger le monde de la peinture, le monde artistique. Et les gens, oui, sont en demande, les artistes sont en demande de ce style de soirée. Qu'on pouvait fusionner tous les arts, des arts complètement différents qui étaient souvent cachés, comme là dans la soirée, le body painting. On avait réalisé donc Vincenzo et moi-même des combinaisons donc, qui étaient près du corps et qui était réalisée par rapport aux toiles donc, sur lesquelles elle dansait. Ça, c'est de l'art et pourquoi pas le mélanger lors d'une soirée. Toutes les créations qu'on a pu faire autour et essayer de fusionner aussi au niveau de l'art culinaire avec le petit comptoir qui a joué le jeu en proposant une palette de couleurs sur des plateaux qu'on avait peints, en proposant des vins assez exceptionnels de la région. Donc voilà, continuer à jouer dans la gamme de la qualité, du plaisir. Parce qu'une soirée unique, c'est un souvenir, c'est une image, c'est une idée qu'on a en tête, que les gens peuvent garder et emporter avec eux. Très personnel. Voilà. Donc on fait des toiles qui sont faites pour durer longtemps, enfin on l'espère. Et à côté de ça, il faut toujours, comme une image qui passe dans la vie, quelque chose qui te... un bon moment. Voilà. À chaque soirée a son message aussi. Et nous, on voudrait l'offrir à tous ceux qui voudraient découvrir ce qu'on fait, nous. Je sais que mon métier, ce que j'ai appris à l'école, tout ça, est vachement rentré dans ma peinture. Enfin, je sais pas comment. Je l'ai vachement imprégné, ça m'a vachement imprégné. Et, mais après, je pense que c'est dans la toile, j'essaye plus de donner un ressenti que forcément un côté visuel. Le côté visuel est important, mais je pense que l'émotion l'est beaucoup plus, en fait. On va appeler ça commando. C'est peut-être un peu sévère, mais oui, on voulait vraiment faire bouger le monde de la peinture, le monde artistique.